tremendous privilege for me to be associated with this wonderful school for so many years. And when I'm talking to my colleagues at DreamWorks Animation, I've said many times, I think ESMA is really one of the two premier schools, not just in France, but in the world. We've come to expect good quality from ESMA over the years, and this year hasn't disappointed. Great quality animation, but also really good stories as well. So I think very, very impressive all around, really. On a passé une journée formidable parce qu'on a quand même vu 14 films. Donc on sait ce que ça représente comme travail de produire 14 films en une année. Moi, j'ai vraiment trouvé que le niveau moyen était à chaque fois à l'ESMA d'une qualité supérieure. Comme à l'habitude, un gros niveau technique. Voilà, un très gros bagage, des très belles surprises, des lignes éditoriales complètement différentes. On peut vraiment aller du simple cartoon millimétré jusqu'à de l'hyper réalisme texturiel, je sais pas comment on dit, de texture. Un bel éventail. Ce que j'adore toujours, tu sais, moi, dans ces jurys d'école, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un film cartoon, après on peut avoir un film intimiste, après on peut avoir un film qui est complètement une référence à du cinématique de jeu vidéo, le film qui est avec le dragon. Je trouve que le film qui, pour moi, m'a le plus intéressé aujourd'hui, c'est le film qui s'appelle L'Aviatrice, parce que je pense qu'il y a peut-être là quelque chose de nouveau. On peut s'attaquer à du documentaire en images de synthèse sans simplement faire des séquences de démo dans un film en prise de vue réelle. Et je trouve que leur manière d'avoir écrit, il y a une vraie transformation du texte et il y a une vraie intensité. Pour moi, c'est le film qui, en termes de travail cinématographique, est le plus complet. Être à ma vraie place. Ce coup de foudre, je le ressens encore aujourd'hui comme un miracle. Le silence, vaste, azur et argenté, l'horizon, sublime, seul, exactement dans l'axe. J'ai aimé Swift. J'ai bien aimé parce que la mise en scène avait très bonnes idées dans la mise en scène, c'était très dynamique, moi je trouvais. Et j'étais vraiment séduit par ce produit. Et puis c'était aussi parce que pour l'instant, je vois plus pour des animateurs, etc. Donc ça va plus taper à l'œil. Astéria, ouais. Celui-là, c'est un petit film bien, qui n'a pas de point faible en fait, hein. bien mené, bien cohérent, bien compact, et le temps passe très très vite, on a l'impression qu'il est hyper court alors qu'il est juste aussi long que les autres, et très bien, de l'humour, franchement, on oublie la technique, on s'assoit et on profite du moment. Et quand ça se passe comme ça, ça veut dire que l'objectif a été atteint. On n'est pas à regarder si l'anime est bien ou pas. Si l'anime est bien, on s'en fout. Juste on est là, on passe un bon moment. Donc voilà. Bravo. Oh, fais chier. Commandant, qu'est-ce qu'on peut faire comme toi avec les formalités, hein? Attendez. Le niveau de l'ESMA a toujours été très élevé au niveau technique. Voilà, en général avec des très beaux moteurs de rendu qui aident. La seule chose que je peux ajouter, c'est que dans l'ensemble des écoles, entre Nantes, Montpellier et Toulouse, on a enfin une harmonie. Et ça, il faut absolument notifier. La sensation générale, c'est que de beaux rendus. Franchement, tout ce qui est lumière, shading, lighting, rendering, très beau. Vraiment, on sent un niveau général homogène en haut. Quoi. Ça, franchement, c'est très très bien. Les atmosphères lumineuses sont belles. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai ressenti clairement dans la promo. Au niveau technique, artistique, évolue énormément, surtout le niveau artistique. Je trouve qu'il y a même en partie sur la partie 2D, je trouve qu'elle a vachement
vachement évolué aussi. Là, on a vu des bouts d'anime 2D qui étaient insérés dans les animations et qui étaient vraiment de toute beauté, très haut niveau. Non, ça progresse. For this type of digital animation filmmaking, they are complete films. They're not just good for one element or another element. They are really films made by filmmakers, by storytellers, by people with extreme artistic sensitivity. So this school for me is the one I would never miss for a graduation. Every year I will absolutely be here. Il y a vraiment des super belles choses, hein. Enfin, franchement, il y a des mecs qui viennent dans l'équipe Lighting quand ils veulent, hein. Franchement, c'est...